Du tout le monde, c'est Solution Trophée. On se retrouve aujourd'hui pour se faire le live summit Candy Rush du 26 mai au 2 juin. Récompense Candy Rush. En bronze, on a un pack de notoriété 300 000 followers. En argent, on a toutes les pièces cosmétiques pour la Koenigsegg Regera. En or, on a des pièces légendaires boostées en Monster Truck. Et en platine, on a un pneu ruche orange en rare. Donc voici du coup tous les défis et les épreuves de ce live summit. On va commencer par se faire le défi aérobatique, aucune restriction. West Rim. Je vais vous dire du coup quel est l'avion qu'il va falloir utiliser du coup pour se faire du coup le défi du coup aérobatique. Alors, je vous conseille du coup le Harmon Rocket HR3. Alors, ce défi aérobatique, il est un peu difficile. Alors, si jamais vous n'y arrivez pas, du premier coup, on réessaye autant de fois que vous le voulez. Mais il est vraiment. Bon là je l'ai pas réussi à le passer mais bon c'est pas grave hein. De toute façon il est tellement dur que je l'ai pas réessayé plein de fois parce que j'ai déjà essayé pas combien de fois de le faire hier et j'ai jamais réussi à faire un perfect et donc du coup voilà. Alors là, franchement, j'ai réussi toutes les portes à part une. Donc là, j'ai loupé du coup qu'une seule porte. Là, franchement, j'aurais pu battre mon record là. Parce que si j'avais pas loupé, si j'avais pas loupé une, j'aurais fait un perfect là pour le coup. Bah, c'est pas grave. Hein. J'ai pas réussi plusieurs fois. Ce que j'ai dit, c'est assez difficile de faire un perfect traînement. Et si vous y arrivez, vous ferez 155 000 points. J'essaierai hors caméra, mais. Pour l'instant, voilà. Maintenant, on va se faire le défi slalom, aucune restriction. San Francisco. Donc, je veux dire du coup quel est le bateau du coup qu'il va falloir utiliser pour se faire du coup ce défi du coup slalom. Alors je vous conseille du coup le Vector V40R parce que ce slalom il est un peu difficile alors je vous conseille réellement de prendre ce bateau, ça sera beaucoup plus facile pour vous de faire ce défi slalom là. Parce que si vous prenez le prochain 14 mai, si vous prenez ça vous allez jamais. Enfin, c'est pas que vous allez jamais y arriver mais c'est très dur donc. On va recommencer parce que là on a réussi à pas y arriver. Il faut réussir à passer tous les plots. Donc le but c'est juste de passer tous les plots. Hein. Ici, on va recommencer.
on va recommencer parce qu'on n'a pas réussi à passer le plot. Là, concrètement, si on passe tous les plots, je bats mon record personnel. Parce que ça se voit que mon ancien record, c'est le fantôme qu'on voit. Donc là, j'étais bien parti. J'ai battu mon corps après, ça m'a encore battu plutôt pas mal hein, du coup. Donc du coup de 30. Donc du coup de 335 points du coup supplémentaire, j'ai battu mon corps. Donc dans l'épreuve 852 points. Dans le summit ça me fait 335 points supplémentaires, donc c'est pas mal, hein, honnêtement c'est toujours ça de plus. Hein. Maintenant on va se faire le défi basse altitude, aucune restriction. Los Padres. Donc je vais vous dire du coup quel est l'avion qu'il va falloir utiliser pour se faire du coup ce défi. Du coup basse altitude. Donc je vous conseille l'Harmon Rocket HR3. Alors je vous conseille du coup de vous mettre du coup en basse altitude du coup inversée. Donc je vous conseille d'aller dans cette direction. Et ensuite vous faites un looping. Et là comme ça vous pouvez commencer du coup le défi aérobatics. À peu près ouais comme ça. Alors je sais un petit peu tromper mais normalement c'est comme ça qu'on va le faire. Bon bah tant pis on va recommencer. Alors, normalement il faut aller ici. Il faut prendre de l'élan depuis ici. Il faut qu'on aille comme ça. Voilà. Là vous voyez là je suis bien mais vous voyez. C'est comme ça qu'il faut prendre. Position. Alors le but c'est de rester le plus près de l'eau mais bon c'est pas si simple que ça de rester tout le temps comme ça. Mince, on s'est trompé. Bon bah tant pis, hein. Là j'ai pas mon record du coup. Ah bon, moi je pars pour mon record seulement de 390 points dans le chute. Bon, bref, ça va. Hein. Bah on aurait pu faire mieux. Et du coup, je reviens un défi du coup, moteur passe donc bon bah c'est pas mal. Maintenant, on va se faire l'épreuve de Monster Truck avec la 3700Z Z34. Wide, Wide West. Donc, je vous conseille du coup la Nissan 3700Z Z34. Thank you.
j'ai battu mon record personnel de 131 dixièmes de seconde, ce qui me fait 89 points supplémentaires. Maintenant, on va se faire du coup l'épreuve de Street Race avec la Beatles Kawasaki Edition. Coral Gable. Donc je vous conseille du coup la Volkswagen Beatles Kawasaki Edition. Et tu te concentres. Elle est vraiment pas mal cette présence comme moi. Je parle pas beaucoup parce que j'ai vraiment très simple ce que je peux faire. Mais sinon, c'est vraiment bon.
813 et 806 dixièmes. On a fait mieux de 12 secondes. Donc on a gagné du coup 10 330 points supplémentaires. Alors là, je reviens pas d'avoir gagné autant de temps sur l'épreuve, je pensais vraiment pas en gagner 12 secondes. Ça c'est. Ok, donc c'est pas mal, c'est bien. Alors maintenant, du coup, on va se faire une nouvelle épreuve du coup. On va se faire du coup une épreuve du coup de rallycross. Aucune restriction. Round 2. Alors, je vous conseille du coup la Mitsubishi Lancer WRC05. En drift, même si c'est le monde. Il y a des fois où on s'arrête de drifter si on va toucher un mur, hein. Et des fois ça peut être un petit peu plus loin.
j'étais à 4 secondes de la ligne d'arrivée. Hein. Franchement, j'ai fait un miracle. Hein. Et j'ai même battu le record personnel de mon ami. Alors ça, c'est pas mal. Hein. Il avait fait 55 000. J'ai battu du coup de 2000 points supplémentaires. Et j'ai battu du coup mon record personnel de 5900 points, ce qui me fait 868 points du coup supplémentaires dans le Smith. Alors maintenant du coup on va se faire du coup une épreuve du coup de rallycross avec la S1 EKS RX Quattro. Alors je n'ai pas les pièces, elles sont équipées du coup sur l'épreuve qu'il y avait juste avant. Donc je reviens quand j'ai les pièces. A tout de suite. Maintenant, on va se faire l'épreuve de rallycross avec la S1 EKS RX Quattro. Saut à ski. Alors sur cette épreuve, il y a un total de deux raccourcis. Donc, je vais vous dire du coup à quels endroits du coup ils sont. Donc, je vous conseille du coup de prendre la Audi S1 EKS RX Quattro. Écoute ce que dit ton moteur et tu vas tout déchirer. Donc ça c'est un premier raccourci. Et ensuite on va voir un enchaînement de deux raccourcis simultanément. Alors, regardez ce que j'ai fait. Voilà, donc là vous avez vu, il y a eu deux raccourcis d'affilée et donc il faut faire ça 3 fois. Et 998 dixièmes. Ah, j'ai pas battu mon record personnel, mais seulement 52 dixièmes de dixièmes. Alors maintenant du coup on va se faire du coup l'épreuve de rallycross sans du coup aucune restriction, mais je n'ai pas les pièces parce qu'elles sont équipées pour l'épreuve qui était juste avant, donc je reviens quand j'ai la pièce. À tout de suite. Maintenant on va se faire l'épreuve de rallycross sans aucune restriction. Round 7. Donc je vous conseille du coup de la Mitsubishi Lancer WRC05.
50 380 points. J'ai battu mon record personnel de 3260 points, ce qui me fait 670 points supplémentaires. Maintenant, on va se faire l'épreuve de Street Race avec une épreuve. Maintenant, on va se faire du coup une épreuve de Street Race en hypercar avec la Régra. Black Eye Est. Donc je vous conseille du coup la Koenigsegg Regera. Les doigts. Et 564 dixièmes. Ah, j'ai pas battu du coup mon record de 500 dixièmes de journée. Donc maintenant du coup on a fini du coup tous les défis et les épreuves de ce live summit. Donc du coup, eh ben, je vais vous dire du coup toutes les pièces performance et affixes du coup pour tous vos véhicules. Donc à tout de suite. Pour le défi aérobatique, je vous conseille l'Harman Rocket HR3 avec les pièces performance de surdoué pur et pulvérisateur de score pour vos 7 pièces. Pour le défi slalom, je vous conseille le Vector V40R avec les pièces performance de surdoué pur et pulvérisateur de score pour vos 7 pièces. Pour le défi basse altitude, je vous conseille l'Harman Rocket HR3 avec les pièces performance de surdoué pur et pulvérisateur de score pour vos 7 pièces. Pour l'épreuve de Monster Truck, je vous conseille la Nissan 3700Z Z34
avec la pièce performance d'ultra gonflé pur et chimiste de la Nitro pour vos 7 pièces. Pour l'épreuve de Street Race, je vous conseille la Volkswagen Beetles Kawasaki Edition avec la pièce performance de ultra gonflé pur et chimiste de la Nitro pour vos 7 pièces. Pour la première épreuve de Rallycross, je vous conseille la Mitsubishi Lancer WRC05 avec la pièce performance de ultra gonflé pur et chimiste de la Nitro pour vous 7 pièces. Pour la deuxième épreuve de Rallycross, je vous conseille la Audi S1 EKS RX Quattro avec la pièce performance de ultra gonflé pur et chimiste de la Nitro pour vous 7 pièces. Pour la troisième épreuve de Rallycross, je vous conseille la Mitsubishi Lancer WRC05 avec la pièce performance du ultra gonflé pur et chimiste de la Nitro pour vos 7 pièces. Pour l'épreuve de Street Race qui se fait en hypercar, je vous conseille la Koenigsegg Regera avec les pièces performance de pur ultra gonflé et chimiste de la Nitro pour vos 7 pièces. Maintenant, on a fini le live summit avec tous les défis et les épreuves de ce live summit. Donc, on va faire un bref aperçu de ce qu'il va y avoir du coup la semaine prochaine. Donc, du 2 au 9 juin, donc on a Two Way Lair 2. Donc, en bronze, on a un pack de notoriété 300 000 followers. En argent, on a un pack de pièces détachées, du coup 52 500 pièces détachées. En or, on a une fumée jaune low poly commun. Et en platine, on a Chimus de la Nitro boosté en motocross. Donc, voici du coup les défis et les épreuves de ce live summit. Donc, on va avoir un slalom, aucune restriction. Un radar, aucune restriction. Un basse altitude, aucune restriction. Une épreuve du Touring Car qui se joue avec la GSX R1000 RR qui est une nouvelle moto. Ensuite, on va avoir du coup une épreuve de Street Race qui se joue avec la restriction Japon. On va avoir une épreuve après de Touring Car avec on va devoir jouer avec la YZR-M1, donc une épreuve une nouvelle moto du coup en Touring Car. Ensuite, on va avoir une épreuve de Street Race avec la restriction États-Unis. Et ensuite, on va avoir une épreuve de motocross, aucune restriction. Et ensuite, on va avoir une épreuve de rally raid qui se fait en motocross, du coup, aucune restriction. Donc c'est tout pour moi, du coup, pour les défis et les épreuves de ce live summit. Donc, on se retrouvera, du coup, le 2 juin, du coup, en live. Et on se retrouvera, du coup, le 3 juin, du coup, pour se faire la vidéo du live summit. Donc, à la semaine prochaine, c'était Solution Trophée.